avec le point qu'on a pris contre Cannes. C'est une semaine importante. On finit le cycle de 4 matchs depuis le retour des filles et de leur compétition internationale. On finit ce cycle qui était très dur en jouant tous les 3 jours et on a fait 2 non-matchs contre Venelle et Terville, normal de toute façon. Vu qu'on a récupéré les filles, il a fallu se remettre au boulot tous ensemble. Et puis on a fait un super résultat contre Cannes et je crois que le fait de gagner un set, le plus dur c'est d'enclencher une victoire sur un set. Et derrière, ben voilà, on voit quand elles sont en confiance, elles imposent leur physique. Le score est sévère, mais sur la physionomie du match, il est totalement mérité par l'équipe de Chevalier. Hein. On a été dominé complètement. Dans tous les compartiments de jeu, on a eu quelques moments d'éclair, mais ça n'a pas suffi pour jouer contre une équipe autant survoltée. Franck disait que c'était ses joueuses qui avaient mal joué. Moi, je le répète, hein, c'est plutôt nos joueuses qui ont poussé les filles de Cannes à faire des erreurs. Et là, c'est la même chose. Hein. Il y a 2 bonnes attaquantes quand même à Nancy. Là, elles prennent 3 points d'avance. Il va falloir espérer qu'elles en perdent, que nous, on en gagne. Mais le championnat n'est pas terminé. Mais c'est un match très décisif. Il y a encore du chemin à faire. Nancy, je rappelle quand même que Nancy a battu Saint-Raph 3-0. Donc, c'est qu'il y a de la qualité hein, dans cette équipe. Il reste encore quelques matchs. Non, ça va se jouer. Ça change rien. Ça va se jouer sur la dernière journée quand nous, on recevra Paris. Je pense.